Coucou les amis, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Regardez mes pommes de terre, ça a tout jauni. Vous voyez, il est temps de les enlever. Donc nous allons le faire ensemble. Voilà. En fait, elles me gênent parce que vous allez voir derrière, il y a une citrouille qui est venue. Voilà, donc j'enlève les pieds de patates. On va bien voir ce qu'on va trouver là-dedans. L'année dernière, ils avaient pas mal donné. Je fais ça délicatement parce que vous voyez, il y a la citrouille derrière. Vous ne la voyez pas encore, mais vous allez la voir. Il faut faire très attention quand les pieds jaunissent parce qu'ils peuvent vous amener le mildiou dans le jardin. Je vous rappelle que ça, c'est la pomme de terre que j'ai plantée. Celle-là, elle n'est pas consommable. Allez. Tenez, regardez, elle est là, la citrouille. Voilà, allez, on y va. Cette terre-là, je vais la garder, mais elle est appauvrie, parce que les pommes de terre appauvrissent le sol. Je vais la garder, je vais la mélanger avec du terreau, je la réutiliserai plus tard. Nous allons voir combien ça a donné. Donc j'ai planté, je crois, 5 pommes de terre là. Ça marche. Ça a bien marché quand même. Je le vois là. Donc vous le saurez. Ces petits sacs là, ça marche très bien. Et nous ne sommes pas au quart du sac. Hein. Bon, vous avez compris, mes chéris, c'est ça que ça marche super bien. Je ferai une photo du résultat, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous fais un gros bisou, hein. Vous voyez, ça marche seulement un sac, je suis déjà au moins 1 ou 2 kilos. Bisous!